Nous sommes dans le golfe du Saint-Laurent, au Canada. Après avoir navigué le long de la côte occidentale de Terre-Neuve, accompagné par quelques cétacés, nous arrivons en vue de l'île de la Madeleine. Forteresse battue par les vagues, de puissantes falaises de couleur ocre protègent le port de Cap-aux-Meules où nous allons bientôt jeter l'ancre. Alors que la pêche, notamment aux crabes et aux homards, constitue une source de revenus régulière, le tourisme ne fonctionne véritablement que durant la courte saison estivale. En reliant toute l'année les îles de la Madeleine à Montréal, le ferry Le Vacancier est un peu le cordon ombilical entre l'archipel. Mise acadienne au début des années 1760. C'est l'un des lieux les plus fréquentés de l'archipel durant l'été. Les anciens entrepôts aux façades colorées sont devenus des restaurants, des galeries d'art ou des boutiques de souvenirs. Concours de petits bateaux, de casiers à homards ou de chansons, toutes les animations tendent vers un même but, maintenir les traditions québécoises ou acadiennes sur ces îles minuscules perdues entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Avec la mer pour seul horizon, ces maisons de bois à la silhouette si fragile sont nées pour affronter les rudesses de l'hiver et la violence des vents du large. C'est sans doute pour cela qu'elles affichent des couleurs éclatantes, comme un défi au mauvais temps.